Les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands états en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Ce qu'on prétend être une dette de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la France, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et cette dette, elle n'est pas d'abord économique, elle est d'abord politique. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos états et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Moi c'est Monsieur France Belpense, Mister Class Prestance. C'est lancé, voix dans ces pensées tortueuses qui cachent le sens, censé te sortir de ton sort fumeux. Toi Monsieur Afrique, ton toi que je te pique tout ce que tu détiens Monsieur comme Afrique, fric. Monsieur Afrique, c'est moi, je place sous le poids tes problèmes. Dieu merci, y'a des gens comme de la France qui m'aiment. Allez hop, je t'ai ruiné, va pas tarder à rappliquer. Alors voilà qui vient mendier, quoi, tu veux que je te prête? Ok, pas de blême, mais sur au moins 50 ans je t'endette. Et puis y'aura des intérêts, mais pas trop importants. T'inquiète, je suis honnête. Par contre, en échange de mon généreux geste, tu m'octroies un droit permanent d'entrer dans ton domaine, d'y faire des fêtes avec ta femme et plein de nénettes, d'exploiter ta terre et ses annexes. Et t'inquiète, ça te fera aussi gagner un peu à toi également. T'inquiète. On nous dit de rembourser la dette. La dette ne peut pas être remboursée. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Hypothéquer notre futur, nous empêcher de vivre en homme libre et nous nu. La Banque mondiale, le FMI ne cesse de m'affamer. Quand je vois Bush, moi je pense à le programmer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jetons les à la mer, c'est du fou de ma misère. Jetons les à la mer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La spirale est infernale. La tête est amorale et c'est les mêmes qui veulent qu'on paye. Les mêmes qui ont pillé, c'est les mêmes qui veulent qu'on paye. Ceux qui ont colonisé, c'est les mêmes qui veulent qu'on paye. Les mêmes qui veulent qu'on paye des sommes colossales. Pourquoi voulez-vous? Voulez-vous nous faire du mal? Pourquoi voulez-vous? Voulez-vous qu'on crève la dalle? Pourquoi voulez-vous? Pourquoi voulez-vous? Pourquoi voulez-vous? Qu'on vous paye nos sous. Oh,
100%, ça c'est bien. Des bailleurs de fonds, internes, que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le paiement suffisait à créer le développement chez les autres. Si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Il m'a fatigué le reste.